le salon international esthétique, beauté et bien-être. Bichi ta'amal inchallah fil laïkou fil l'espace Expo Congrès le 12, 13 et 14 juin 2020. C'est la première édition. On a essayé de nous entourer par le plus grand nombre de compétences pour réussir la première édition. C'est important dans l'édition de la Tanjah. Des éditions ukrainiennes où impérativement les amis de la Tanjah. Donc le salon, c'est un salon B2B. L'hadaf est mettre en relation les professionnels du monde de la beauté et notamment les professionnels africains entre eux, ça veut dire l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Bien sûr, certains pays de l'Afrique subsaharienne francophone. Et ensuite, c'est un salon, les filles de volet. Il y a un volet exposition, les filles mantoujet, mortalfa, nebde ou mathalan, logiciel, ta gestion des centres et des instituts de beauté, en arrivant aux équipements, aux produits, au matériel, en passant bien sûr par les tenues de travail, par les objets de décoration, par tout ce qui concerne le monde de la beauté. Le volet conférences et ateliers de formation, il est assuré par des experts locaux et internationaux. Le programme de conférences est pratiquement prêt. Donc il y aura en totalité 17 conférences. Ou bien les ateliers de formation, bichikoun ana 20 ateliers de formation. Bichikoun fama à peu près 6 par jour, c'est des petits ateliers. Vous avez le programme Bad Taudi de Thomas Choufou. Ou on a kif le jeneb le mouhim barcha, il y a les concours. Benespal Tawa, on a 3 concours, il y a confirmé, il y a déjà Khdemnehon. Il y a le concours Loulin, il y a le grand prix des meilleurs spa managers. Li houa bach ykoun ma3nta mouajjeh les directeurs de spa et de thalasso bien sûr tunisiens. Et ensuite le deuxième concours, c'est le concours des meilleures mains de Tunisie. Li houa mouajjeh kif kif dima le Tounsi, alaych ala khater Tounes wajha alamiya fel thalassothérapie ou l'hydrothérapie. Donc nahna habina nzidou nwariou akther le côté du savoir-faire tunisien, et d'ailleurs d'où le partenariat avec l'Office national du thermalisme et de l'hydrothérapie. Le troisième concours qui est confirmé, c'est le concours qu'on va organiser avec Mahassen Maquillage Professionnel. C'est un concours de maquillage qui est aussi destiné aux professionnels. Il y aura un concours réservé au maquillage de mariée, un concours réservé au maquillage grand soir. Voilà, il y a un autre concours, on est en pourparlers avec une société de distribution, Mantatoun Seya, pour le concours du body painting. Inch'Allah, ça se concrétise d'ici fin février. Inch'Allah, on est en pourparlers d'ici février, Nartiukum al-Ma'loumet. L'hadaf qui m'a connu dans le salon Heveya, c'est vraiment Mantatounes, c'est la plateforme de beauté multidimensionnelle dans la région. في بلاصة ما يولي المغربي والتزيري والليفواريان والسنغالي والموريتاني والتونسي يسافر البلدان بعيدة وإلا بعيدة برشا مثلا فرنسا إيطاليا دبي لاشين اكسيتيرا يولي في تونس. Il a la possibilité aussi d'avoir accès à ces nouveautés-là. Et petit à petit, le salon, Inch'Allah, on vise à ce que le salon soit une tradition annuelle. Et petit à petit, le salon Ithal. Voilà. Donc, vous avez vu le plan tout à l'heure. Donc, on dispose d'une superficie de plus de 1000 mètres carrés. Il y a un qasma, des stands de différentes superficies. Chacun, on répond aux besoins de chaque exposant. Donc, il y aura des stands de 6 mètres carrés, des stands de 9 mètres carrés, des stands de 12 mètres carrés, de 18 mètres carrés et de 24 mètres carrés. Vous avez vu le plan tout à l'heure, on va vous donner une copie du plan aussi. Voilà, grosso modo. On a des partenaires importants en Marana qui m'a connu à l'Office du thermalisme. On est soutenu par le CEPEX, le Centre de promotion des exportations. À travers les antennes, les randos Fulkharj, on a des invités, donc ils nous soutiennent. Ou kif, mais des mots, l'hadaf aussi derrière le salon, c'est encourager le produit tunisien et l'aider à s'exporter. Donc c'est normal que le CEPEX et le FOPRODEX nous soutiennent déjà par rapport à ça. Ensuite, on a des partenaires privés qui m'a par exemple l'école Boulifa, qui m'a Mahassen Maquillage Benesmal Tounes, Anna Kif Kif, l'école internationale du Spa Paris, c'est elle qui organise le concours des meilleurs, c'est elle qui supervise le concours des meilleures mains de Tunisie. Il y aura aussi les nouvelles esthétiques Mondara, parce que sincèrement, on est conseillé, soutenu par les nouvelles esthétiques France, où on est en train de nouvelles esthétiques Mondara, après le Houma, les Hines, la région du monde arabe, le Mara Arsara, le Staïda, le Hiyam, le Mara Arsara,
voilà, معناتها والحقيقة عندنا دي دوموند دو partenariat, mais نحنا ديما ندرسوا la demande de partenariat, عمرنا ما نقبلوها directement. On a des demandes de partenariat à travers des sociétés de distribution, à travers aussi des magazines, et ديما نحاولوا ندرسوا باش نشوفوا الجدوى, معناتها est-ce que c'est important ou pas. Et ce qui est important à dire, c'est que sincèrement, avant de lancer ce projet, on a fait une étude de faisabilité, on a fait une étude du marché, et ça fait plus de 2 ans qu'on a commencé la prospection réelle déjà des exposants étrangers pour voir réellement l'importance du marché tunisien par rapport à tout ce qui se passe autour. Et en fait, moi j'ai un parcours où je suis consultante spa, spécialisée dans la création de soins originaux, qu'on appelle soins signature, et leur enseignement. Et ça veut dire que j'ai enseigné partout dans le monde. J'ai travaillé pendant, c'est une longue carrière, mes cheveux blancs expliquent que ça fait maintenant 40 ans que je fais ce métier, et pour mon plus grand plaisir. Et ça veut dire que j'ai aussi bien travaillé en Asie qu'en Amérique et qu'en Europe, etc., etc. Bref, et j'ai beaucoup travaillé en Tunisie, où j'ai vraiment appris la qualité et l'authenticité de ce pays dans le domaine du soin, vraiment. Et ça veut dire que du coup, quand on est venu me chercher pour travailler pour le salon Estetart, j'ai été très heureuse. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour ce salon-là ? Tout d'abord, je vais organiser et gérer les conférences, à savoir que chaque exposant, il y en aura à peu près 80, on lui propose, s'il en a envie, ce n'est pas obligatoire, on lui propose de faire une conférence, soit de 30 minutes, soit de 50 minutes. Donc, évidemment, dans certaines conférences, ils vont être plusieurs. Il peut y avoir une marque de cosmétiques, avec quelqu'un qui est chargé de l'hygiène, avec quelqu'un qui est chargé de la gestion d'un spa. Voilà, donc ce sont des conférences qui sont faites par des experts à chaque fois. Et puis, à côté de ça, on a des ateliers. Les ateliers durent une demi-heure et ça veut dire que chaque exposant pourra avoir son atelier où il pourra présenter un sujet de sa marque, les ingrédients, les spécificités, etc., etc. Parallèlement à ça, j'organise également des workshops ateliers, à savoir qu'il va y avoir des workshops de massage qui vont être gérés essentiellement par Monsieur Boulifa, l'école de Monsieur Boulifa. C'est-à-dire que c'est lui qui va gérer, probablement il va faire venir des formateurs de massage et donc qui vont faire des démonstrations et qui vont répondre un petit peu à la demande du public. Il y a également un workshop atelier de maquillage avec Madame Mahassen qui va, elle, démontrer et faire travailler les gens sur des maquillages plus experts, maquillage de mariée, maquillage du soir, etc. Voilà. J'organise également des concours. Et là, je suis très enthousiaste sur les concours parce qu'il va y avoir le concours des meilleures mains de Tunisie. Ça concerne les masseurs et les esthéticiennes. Donc, sur des protocoles soit de massage connus, soit sur leur création, soit sur les massages du visage. Et donc, il va y avoir ensuite un classement. Donc, il va y avoir pour les professionnels et pour les étudiants et stagiaires. Et donc, la main d'or, la main d'argent, la main de bronze et la main de velours. Et puis, à côté de ça, il va y avoir également un concours des spa managers. Donc, pareil, le grand prix d'or, d'argent, de bronze et le coup de cœur. Et ça va concerner les spa managers aussi bien qui travaillent en thalasso et spa que les spa managers qui travaillent, on va dire, dans des hôtels ou des spas urbains. Voilà, sans thalasso. Et puis, il y aura un concours de maquillage qui va être géré par Madame Mahassen. Donc, elle va faire maquillage de la mariée, parce que ça, c'est très spécifique. Et à côté de ça, le maquillage de soir, d'exception. Voilà. Et puis, nous allons avoir aussi un concours de body painting. Donc, je rassure tout le monde en Tunisie, les personnes ne seront pas nues. Parce qu'en France, on a quelquefois des gens qui, sous prétexte qu'ils sont peints, ne se rendent pas compte qu'ils n'ont pas de vêtements. Et là, ce seront des vêtements qui seront très spécifiques. Le maquillage sera
le prolongement du vêtement ou les mains, le dos, par exemple, si c'est une robe dos nu, le dos sera peint, etc., etc. Ce sera très, très beau. Et il y aura des défilés de mode, etc., etc. Tous les prix seront remis le samedi soir lors de la soirée de gala.